Bon bah bonjour Joël. Bonjour Marie-Laure. Eh bien, merci d'avoir accepté de témoigner suite à l'accompagnement que vous avez suivi avec moi sur le Avec thème de plaisir. l'ancrage et de l'enracinement. Donc, en fait, je voudrais bien, avant de commencer, si vous pouviez vous présenter, me dire un petit peu où vous habitez, ce que vous faites, enfin, ce que vous avez envie de partager. D'accord. J'habite à Lyon, donc une grande ville. Je travaille dans une entreprise, dans une multinationale dans l'informatique. Et j'ai 55 ans bientôt. Et donc, j'arrive à un moment où je me pose pas mal de questions sur ce que je fais, ce que j'ai déjà fait et ce que je voudrais faire. Donc, voilà, en résumé, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci. Et alors, racontez-moi, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de suivre ce programme? Où vous en Alors, étiez ça, quand vous êtes venu? ouais. Alors, en fait, ça a été un choix en deux bandes, je vais dire. C'est-à-dire que j'avais commencé à réfléchir, comme je viens de mentionner, sur un certain nombre de choses qui n'allaient pas forcément bien dans ma vie. Et j'ai rencontré une ancienne collègue avec qui je suis restée en relation, qui est une amie. Et on a commencé à parler de choses et d'autres. Et j'ai abordé le fait que j'avais commencé à regarder des façons, de méthodes de psychologie, bref, disons, et Ouais. notamment de l'EFT. Et là, elle me dit, ah, EFT, je connais quelqu'un qui est super, qui en fait vraiment. Et donc, elle m'a parlé de vous, Merci. de l'école de Barbara Brennan, et ainsi de suite. Et comme, voilà, je me suis dit que ça faisait une bonne coïncidence, donc je vous ai contacté, et voilà, ça a démarré comme ça. OK. Vous m'avez expliqué ce que vous proposiez, et ça m'a plu. Et donc, je me suis dit, ben voilà, je vais essayer avec Marie-Laure. Et alors, donc vous m'avez dit, dans ce que vous avez présenté, il y avait un besoin de remise en question, il y avait aussi, je me souviens, un besoin de clarté. Oui, c'est ça. Mon objectif principal, c'était de la clarté. Et la clarté, pour moi, ça veut dire savoir dans quelle direction aller, ou voilà, avoir la clarté sur le chemin, quoi. C'est comme si je pouvais imaginer ça, c'était un spot qui éclairait une partie du chemin. C'est ça que j'appelle la clarté. Et alors, est-ce que vous avez trouvé ça durant cet accompagnement? J'irai pas directement. OK. J'ai trouvé plus une manière. Enfin, sur la partie ancrage, c'est sûr que là, je trouve que vraiment, là, j'ai fait des progrès forts. Sur la clarté, j'ai toujours des moments où je me pose des questions. Surtout en ce moment, j'ai une période où il y a des jours, ça va très bien, et des jours, ça va beaucoup moins bien. OK. Voilà, comme si. Ou alors, c'est peut-être parce qu'en mettant un spot sur le chemin, je me dis, c'est peut-être pas là qu'il faut aller, quoi, j'en sais rien. D'accord, il y a Voilà. encore des doutes sur le Ouais, chemin emprunté. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, enfin, il y a eu un progrès. Oui. Est-ce que ce progrès est exactement là et à la hauteur de ce que j'attendais? Je ne suis pas forcément sûre. Toutefois, c'est peut-être parce que ce que je demandais, c'était trop grand, quoi. Enfin, peut-être qu'il y avait trop de choses, que je mets peut-être trop de choses dedans pour dire, bon, ben voilà, ça c'est sûr, je sais que c'est fait, je peux passer à autre chose. Je pense que c'est plus vaste que ce que uniquement répondre par ce type de programme. D'accord. Et du coup, il y a quand même beaucoup de choses qu'on a évoquées le long de ce programme. Il y a en fait, j'ai envie de dire, et vous partagez si vous avez envie, il y a des choses qui se sont révélées qui n'étaient pas du tout prévues. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait la richesse et qu'on n'a pas été jusque. Il y a des choses que vous avez découvertes sur vous, en fait. Voilà, c'est ça. Oui. Ah non, mais alors là, en termes de richesse du programme, alors j'ai aucun doute là. J'ai vu des choses, j'ai ressenti des choses inouïes auxquelles je m'attendais pas du tout. Les séances que vous faites d'énergie à distance, j'étais transportée. Enfin, voilà, vraiment sur une vague où vraiment c'était quelque chose de fort, avec beaucoup de ressenti, pas que du ressenti intellectuel, hein, je dirais, c'est du ressenti physique. J'ai ressenti des choses aussi indépendamment des séances, sur une façon d'être, ma façon d'être qui a changé, qui a évolué. Non, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai ouais, des choses presque extraordinaires qui me sont arrivées. Je ne veux pas forcément en parler maintenant, ici, mais
voilà, vraiment des choses extraordinaires. Et aussi, je pense que vous avez mis le doigt à un moment donné sur, une, peut-être une aspiration, une de mes aspirations, qui est aussi qui est un peu dans le domaine de l'extraordinaire, donc je ne vais pas aussi le mentionner là, mais qui m'aide, et je me dis régulièrement, je me dis, ah ouais, c'est vrai que je suis comme ça, et voilà, je me fais ça, et ça m'aide aussi à avancer. Ça me donne un moteur pour avancer, spécialement quand j'ai des chutes de chutes d'énergie. Génial, oui, et à vous sentir, donc moi je sais de quoi vous parlez, c'est ok de me le partager, mais du coup à vous sentir plus forte en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Et même sur la partie ancrage, il y a un moment, je peux donner cet exemple-là parce que c'est assez, j'ai pas de souci pour le partager. Je me rappelle d'un moment où j'étais très mal, je devais aller à un rendez-vous et j'étais très mal, il y a eu une panne de métro. Tout allait mal ce jour-là, tout allait mal. Je me suis retrouvée dans la rue, la totalité de la rame de métro était dehors dans la rue pour marcher en direction de la prochaine station où ça pouvait marcher, où on pouvait prendre la correspondance. Et je me suis vue pendant l'espace d'un instant avoir juste une envie, c'était de m'asseoir sur le trottoir et d'arrêter, et de m'arrêter, de plus bouger. Et là, j'ai trouvé la ressource grâce à ce que vous avez pu développer dans les séances. Et j'ai refait une séance d'ancrage, une petite mini-séance, parce que ça a duré quoi? Une minute maximum, parce qu'au milieu de la rue, avec tout le monde autour, on ne peut pas facilement se centrer. Mais il n'empêche que j'ai ressenti quelque chose, j'ai ressenti un ancrage, les pieds dans la terre et tout ça. Et du coup, eh ben, ça m'a redonné l'énergie. Je me suis arrêtée sur le bord du trottoir. Je suis allée là où je devais aller. C'était vraiment une bonne soirée. Donc vraiment, et ce jour-là, j'ai compris que tout ce que vous nous apprenez, c'est pas uniquement pendant les sessions qu'on fait, mais c'est surtout quand on a besoin, quand on est dans une phase un peu creuse. C'est là que ça se passe. C'est pas uniquement quand on parle pendant les sessions qui sont organisées. Et ça a été une génial. Grande... Génial oh, magnifique grande... Merci de dire ça, parce que c'est exactement ça, mon aspiration à moi. C'est-à-dire, mon aspiration à moi, c'est vraiment de pouvoir ramener l'énergétique dans le quotidien. Voilà, ouais. Et ce jour-là, je l'ai compris dans un environnement qui était hostile. Comme je vous expliquais, il y avait du monde de partout. J'étais fatiguée. C'était une journée qui avait mal démarré et qui continuait mal. Donc vraiment, j'étais moi-même pas très en forme. L'environnement était difficile. J'étais en retard. Bon, tout se cumulait. Et là, je me suis dit, voilà, j'essaye ça. Et du coup, je me suis sentie mieux pour le faire. Donc, effectivement, c'était vraiment tout bénéfice. Ouais. Génial! Ben, merci beaucoup. Et alors, j'ai envie de vous poser... donc, vous avez peut-être répondu, mais peut-être vous voulez rajouter quelque chose. Le plus grand changement pour vous, après ce programme, c'est quoi? Ou pendant ce programme? Celui-ci, c'est un grand changement. Celui-ci, se rendre compte, celui-là, c'est colossal. Hein. C'est ouais. Parce que, et je le fais régulièrement quand il y a des choses où je ne me sens pas forcément bien. Avant de me laisser m'enfoncer doucement, voilà, selon le schéma habituel, maintenant j'ai la capacité d'en prendre conscience et de faire quelque chose avant d'être, d'être. Ouh, génial. Super. Et puis après, j'arrive à mieux exprimer ce que j'ai envie de dire sans qu'il y ait de la colère ou du ressentiment. Et ça, je pense que c'est aussi lié au programme. C'est des choses que je faisais pas forcément facilement jusqu'à présent. Ouais, c'est des choses qu'on a travaillées. Enfin, c'est vrai que du coup, ça reste un programme court. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on a travaillé plein de choses un petit peu saupoudrées. Et puis après, ça s'intègre au fur et à mesure en fait. Hein. Oui, tout à fait, oui. Est-ce que, donc souvent c'est une question qu'on me pose ou quelque chose qu'on me fait remarquer, donc j'ai envie de vous la poser pour que ce soit vous qui y répondiez. Comment vous avez fait pour trouver l'argent pour ce programme? Comment j'ai fait pour trouver l'argent pour ce programme? Alors au moment où je vous ai contacté, en fait, j'étais en train de déménager
en fait. Donc, j'avais un appartement, je l'ai quitté cet appartement et maintenant, je suis dans cet appartement-là. Et l'appartement que j'avais de l'autre côté, disons, c'était presque en double. Donc, en fait, et le montant correspondait, le montant du loyer correspondait à peu près à l'investissement qui était là. Donc, je me suis dit, au lieu de dépenser cet argent pour à fond perdu sur quelque chose qui ne m'apportait rien, je me suis dit, ben, je vais me faire ce cadeau-là à moi. Et dire que cet argent-là, je le prends là et je le mets là et on profitera vraiment. Et ça ne sera pas quelque chose qui ne sera difficile à sortir comme ça m'était difficile de sortir soyez tous les mois parce que j'en retirais rien. Donc, ça a été, pour moi, ça n'a pas été un problème de financer ce... D'accord, c'était un choix qui s'est mis là et qui, comme voilà. Par hasard, est arrivé au bon moment, quoi. C'est ça, voilà, c'était au moment où j'étais en train de quitter. Voilà, donc c'était aussi, j'ai rencontré à nouveau cette amie, collègue, là, qui m'a parlé de vous. Moi, j'étais en train de quitter cet appart, donc voilà, ça faisait tout. Ouais, ça faisait beaucoup de coïncidences d'un coup, quoi. Voilà, voilà. Ouais. Ok, génial. Eh ben merci. Est-ce que vous avez des choses à dire aux gens qui hésiteraient à faire ou... À part dire que j'ai trouvé ça génial, hein, dire mais j'ai pas trouvé ça génial juste pour le dire de vous faire plaisir là, c'est que non, vraiment, j'espère pas. J'ai vraiment ressenti des choses vraiment fortes et probablement que j'en ai ressenti plus là dans les endroits où je ne m'y attendais pas. Et là où je me disais, c'est par exemple quand vous m'avez parlé, mon objectif c'est vrai c'était de travailler sur la clarté. Il faut vraiment, je fais une focalisation sur cette clarté là depuis des mois. C'est quelque chose qui m'obsède, mais sur lequel je passe beaucoup de temps. Et je pense que j'ai trouvé beaucoup plus de choses ailleurs que sur cette partie de clarté. Et je suis persuadée que ça participe ou ça contribue à obtenir cette clarté. Donc, moi, le conseil que je donnerais, si je peux me permettre un conseil, c'est il faut venir bien sûr avec une intention et il faut aussi être prêt ou prête à découvrir d'autres choses auxquelles on ne s'y attend pas. Génial, waouh, merci Joëlle, quel beau témoignage vous venez de me faire là. Ben, en tout cas, c'était vraiment un plaisir pour moi de travailler avec vous. C'est vrai qu'on a eu des séances... c'est ce que je vous ai dit, mais je peux le dire là dans le témoignage, mais vous êtes une des personnes qui avait ressenti le plus précisément ce que je fais en énergétique, donc à distance. Et c'est vrai que c'est aussi un peu, c'est tellement extraordinaire pour moi. Enfin, j'ai toujours cet émerveillement de me dire waouh, mais je suis loin. Alors je sais que ça marche parce que je fais ça depuis des années, mais que mes clients soient capables aussi loin de savoir, de décrire tellement précisément ce que je fais, sur quelle partie je suis en train de travailler, ce que ça fait pour eux par rapport à ce que moi je ressens que ça va faire pour eux. C'était juste nos débriefs de séance, j'ai envie de dire, étaient vraiment tellement précis que c'était drôle, quoi. C'était un vrai plaisir de travailler avec vous. Et puis, voilà, je vous souhaite bonne continuation sur le chemin. Puis, je suis là s'il y a besoin. Absolument, absolument, c'est vrai que vous êtes là. Super, merci Joëlle. Au revoir. Merci à vous, au revoir.